issue du dialogue national inclusif et souverain. Il s'agit bien évidemment de l'organisation du référendum constitutionnel pour se prononcer sur la forme de l'État. Ils sont 14 membres désignés par consensus et installés aussitôt par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, en présence des membres du CONEREC provincial, le délégué de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership et bien d'autres personnalités. Les membres CONAREC du département de Salamat ont pour mission d'organiser, de superviser et de contrôler les opérations électorales, confie le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam. Le référendum est un puissant outil du débat politique. Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam appelle la population à être créative, à être solidaire. La transition est bien partie, il faut revenir à la feuille blanche. Les forces vives en présence du secrétaire général du département d'Assinet, Abdelkader Cheltout, représentant le préfet, est marqué par un consensus. La commission départementale de la CONOREC est formée de 15 membres dirigés par le préfet. Après cela, la délégation de la CONOREC provinciale, conduite par son rapporteur Ahmad Ali Abdoulaye, s'est rendue à Oumadiar, chef-lieu du département du Bata-Est, où elle a rencontré les forces vives. Lors d'une réunion présidée par le préfet du Bata-Est, Diro Noki Abdoulaye, et qui a abouti à la désignation des 15 membres par consensus. Le chef de mission Ahmad Ali Abdoulaye et quelques membres de la délégation se sont relayés pour expliquer la mission assignée à la CONOREC, qui est d'organiser un référendum constitutionnel. Ce travail doit être loin de tout tiraillement politique, ont-ils souligné. À Haraz, chef-lieu du département de Haraz Djombo, la délégation s'est livrée au même exercice. Une commission départementale de la CONOREC avec à sa tête le préfet intérimaire Abdelaziz Maï Mohamed a vu les jours. Djeda, chef-lieu du département de Wadi Rimé, a constitué la quatrième étape dans cette tournée d'installation des démembrements de la CONOREC. La sous-commission départementale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC a installé officiellement la CONOREC sous-préfectorale en présence de quelques membres du CONOREC. Le bureau de la CONOREC sous-préfectorale est composé de 4 membres dont un président, un vice-président, un rapporteur et un trésorier. Le préfet de Dagana, par ailleurs, président de la CONOREC départementale, Béchir Tahir Mahamat, a officiellement installé le bureau. Conformément aux articles 28 et 29 du décret numéro 1254 du 23 janvier 2023 de la Commission sous-préfectorale qu'on arrête de consacrer et installer. En vertu du pouvoir du président de CONAREC départemental, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Il fait comprendre aux membres de ces nouveaux bureaux qu'ils font partie de ceux qui organisent le référendum dans la province de Hajar Lamis.